soon. Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Donc ici sur Xbox One. Et un petit truc, j'en ai marre de ces sites de jeux vidéo se disent être la référence des jeux vidéo sur PC et console, alors qu'ils ne respectent pas un jeu qui est précisé être un prologue comme ce Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Je dis qu'ils ne respectent pas car quand il y a une appréciation assez moyenne, on sort l'excuse de la durée de jeu principal. Alors que sur les jeux entiers, ordinaires, ils parlent toujours des trucs en plus facultatifs qui rajoutent de la replay value. Alors que pour MGS 5 Ground Zeroes, c'est à peine s'il est bruit. De nos jours, pour qu'un jeu vidéo soit considéré comme très bon, il faudrait qu'il ait une durée de vie d'au moins 20 heures. Bah alors, RPG ou FPS? Maintenant, c'est vrai que pour les graphismes, on n'est plus aussi exigeant. Pensez à Call of Duty. On oublie le plaisir d'y jouer, putain! Moi, j'en ai rien à battre que le jeu soit pourri esthétiquement et très court, du moment que je m'éclate dessus, et ce à chaque fois que je le recommence. Donc, pour revenir à ce très beau Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, c'est marqué dessus. C'est un prologue. Un prologue, putain. Vous savez pas ce que c'est? C'est pas possible. Prologue 1. Première partie d'une œuvre littéraire ou artistique relatant des événements antérieurs à ceux qui se déroulent dans l'œuvre elle-même. 2. Ce qui annonce, prépare quelque chose. 3. Tableau qui suit l'ouverture d'un opéra avant le premier acte. 4. Partie de la pièce précédant l'entrée du chœur et exposant le sujet. 5. Brève épreuve précédant le départ réel d'une compétition. Donc nous revoilà revenus sur le jeu après cette petite explication. Et donc ce Metal Gear Solid 5 signe le retour de Snake, l'original, le Big Boss. Avec un moteur graphique Fox Engine. Vraiment magnifique. Et pour ce retour, Snake prend la voix de Kiefer Sutherland. Alors que ça faisait quelques années qu'il était doublé par, je ne sais plus le nom, un certain David... Ah, je suis désolé, je suis pas un fan de la série. Voilà, ça c'est le message pour les fans, on va dire ce qu'il dit là. Kiefer Sutherland. Bon, j'ai zappé, vous avez vu, j'ai vu juste un petit peu la vidéo des cinématiques d'intro parce qu'elle est assez longue. Une démo n'aurait pas été cinématique aussi longue, si? Enfin. Directed by Hideo Kojima. Ok. Ça, c'est son iDroid. C'est pas mal ce truc, ça peut avoir interaction avec votre smartphone ou une tablette pour avoir l'affiché en temps réel comme un GPS, la carte. Ça, on va appuyer sur le bouton menu. Alors ici, j'ai de nouvelles armes parce que j'ai déjà fait le jeu. Je vais peut-être pas les prendre, il va y avoir un lance-roquette aussi. Sauf que le lance-roquette, je crois que je vais le prendre, juste pour rigoler. On y va. Hop là. On va servir des jumelles. Hop là. What do you see? Press the call button to get more intel.
peux zoomer sur eux, comme ça on a un zoom au micro de la jumelle. D'ailleurs, les mecs qui discutent entre eux, on les entendra, même s'ils sont loin. Et au grillage, normalement, ils sont deux. Il n'a pas l'air d'être arrivé encore l'autre. On a, comme dans tous les Metal Gear Solid, des armes létales et non létales. En particulier, les petits pistolets tranquillisants. Ah, voilà. Et en fait, la jumelle, les jumelles servent à cibler les ennemis aussi. Comme ça, vous les voyez même à travers les murs. C'est un peu... C'est beaucoup assisté quand même à ce niveau-là. Ça peut... On peut voir ça un petit peu comme un truc qui est assez dommage quand même. Ça, c'est pas mal assisté. C'est pour que les joueurs qui ne sont pas habitués à la série puissent y jouer quand même. Oh putain. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. Putain, il a failli me voir. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Allez, bouge ta lampe là. Ton projecteur. Voilà, c'est bon. Il a viré. Allez, on bouge. Bon. To climb an obstacle. Ouais, non mais on va pas escalader maintenant, on va aller voir le mec dans la tour de guet déjà. Un petit coucou. Cette pluie, regardez-moi cette pluie magnifique, on prend même des gouttes sur la caméra. Et on en prend plus qu'en regardant l'air. C'est pas de la chiochotte. Ah ouais, on va le menacer au flingue. Vas-y. Allez, on va le questionner en plus. Spit it out. D'accord. Allez, fais dodo. Voilà, c'est bien. Je sais pas combien de temps il reste au sol. Est-ce qu'il reste... Alors, je vais enlever la torche quand même à mon fusil d'assaut, comme je le fais à chaque fois. Ah merde. Ça c'est le codec, si je dis pas de conneries. Juste le bouton gâchette L1 ou LB. Mais ça, il n'y a pas de plusieurs personnages, en tout cas, dans ce prologue. Oh putain, faut que je fasse gaffe, il y en a en face. Je vais prendre le pistolet silencieux pour endormir l'équipe. Il y a des véhicules qui passent de temps à autre. Donc ouais, j'aime bien celui-là de Metal Gear parce qu'ils ont vraiment arrangé le choix des armes. On fait avec la croix multidirectionnelle, on laisse ça appuyer pour changer. Hop là. Use a flare grenade to call the chopper to your current position. Ouais, d'accord. Alors, on va faire un petit zoom s'il y a des ennemis par là-bas. Tiens, il y en a un là-bas. Hop. C'est un peu facile comme ça de les repérer. Hein. Lui, je vais essayer de lui viser la tête, de l'endormir. Ouh, il est un petit peu loin. Bon, mais pas à la tête alors. Il va faire un petit dodo. Je vais aller à la porte rouge là-bas. C'est une planque de. Munitions, ah, tout ça bouge. Bon, ça, il n'y a pas trop de types aux alentours, on dirait. Il y en a un là-bas normalement. Ouais, non, j'y arriverai pas. Je suis un peu loin d'habitude, je sais pas si j'ai pris d'habitude. Lui, il dort là-bas ou quoi? C'est pas endormi, celui-là. Là, c'est limite. Je suis à la limite de me faire perdre. Plus, on entend une bagnole qui s'approche. Voilà. On peut monter dans les camions pour se rendre à des lieux incognito plus facilement. On recharge. Alors. Bon, lui il dort toujours pas. C'est pas possible. Je vais tirer un peu plus haut alors. C'est sûr qu'il est moins précis le pistolet pour anesthésier. C'est pas un fusil d'assaut, les fusils d'assaut sont quand même plus précis à cette distance. Ah quand même. Ça y est, c'est endormi. Voilà, et ben ouais, il est conseillé de bouger le corps évidemment. Sinon si les autres le repèrent, ils feront oh oh hop hop hop. Il y a machin par là, il est en train de dormir. Bon, je vais le réveiller. En général c'est ce qui se passe. Ils réveillent leurs potes.
Je vais bouger le projecteur. Il faut que je cherche à monter tout l'escalier, alors que je peux sauter par là pour être plus vite. Il y a des balles tranquillisantes par là normalement. Hop. Voilà, je vais porter le gros lourdeau là. Je vais le foutre à l'intérieur, comme ça que je ne vais pas si vite. Hop, ah, il y a un autre camion qui s'en va. Chargeur, je l'ai déjà. C'est pour attirer l'attention des ennemis ici. La chargeur vide, on me bazarde. Bon, faut pas éclairer un ennemi quand on a le projecteur. Autant éclairer en l'air. Le truc inutile, le projecteur, il éclaire en l'air. Alors il y a aussi un rajout pour ceux qui auraient du mal dans ce jeu, il y a le bullet time. C'est le genre de truc, vous savez, c'est le truc où ça ralentit le jeu à un moment d'une action assez importante. Comme là, dans Metal Gear, quand on se fait repérer, ça fait vroom avec un point d'exclamation au-dessus de la tête de l'ennemi. Et là, il y a un bullet time dans ce Metal Gear 5 pour vous dire que vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez le tuer avant que ça dégénère. IC4 pour péter les tourelles ou autre, des blindés aussi. Ça sert à péter des blindés aussi. Je vous montrerai. Allez. D'habitude, je le fais pas. Je m'occupe de faire la mission, tu vas stand. Allez, c'est exceptionnel. Pour les personnes qui sont assez proches pour me voir, ça va. Et hop. Poser. Hop, le C4 ici. Voilà. On s'éloigne. On prend le pistolet. On va tirer un petit peu. On va faire un petit plongeon. Youhou! Bon, il y a un ennemi par là. Attention, il se pointe. Il risque de se pointer maintenant, si je fais péter le C4, ça va pas être trop bon truc à faire. Là, je peux endormir pour mettre en train de tous ses secours. Il m'a pas vu ça. Enfin, je crois qu'il m'a pas vu. Je sais pas si je peux toucher à... Ah, bien toi. À travers, là, je sais pas si on peut toucher. Parce qu'il y a quand même une bâche. Je vais faire le tour. Hop. Faire le tour. On va s'en parler. Ici, des ennemis. Alors, la jumelle, il n'y en a pas là-haut. Non, il y en a là-bas. Bon, on va avancer. Alors, lui, il est encore en train de tousser. Bon, je vais balancer un chargeur. Allez, hop, je suis bon. Tiens, va voir là-bas si j'y suis. Dors, saloperie! Ouais, tu vas t'endormir, ouais! Hop, je peux avancer! Il fait un roupillon! On peut les tuer aussi! Un fusil d'assaut silencieux et tout! C'est pas interdit, hein! Allez, entre les tentes là! D'ailleurs, c'est mieux qu'il soit mort! Au moins, on le reverra pas! Au moins on est sûr de ne pas le revoir. Bon alors celui de l'autre côté, on va changer. Hop, voilà. Eyes open, boss. Eyes open, comme ça, pour tourner les... pour voir l'autre là-haut. Ça va être dur entre le poteau et le reste. Allez, fais dodo. Ah ça y est, merde, j'ai tiré le point. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on va se bouger. Waouh, j'avance pas assez. Normalement, il y en a par là aussi. Par entre eux, ils vont pas me voir, ça va. J'ai endormi l'autre là-haut, il a le projecteur, il est en l'air, ça va. Tout va bien pour l'instant. Ah ouais, alors, l'histoire. J'en ai pas parlé, c'est vrai. Alors pour l'instant, ce qu'on doit faire, c'est sauver. Récupérer deux gosses. Dont un, c'est un soldat volontaire de l'armée privée de Snake.
ont été enlevés. Enfin non, lui était venu délivrer une certaine fille aussi qui est coincée là, dont il serait amoureux. Et voilà. Et cette fille serait un agent double, on sait pas de quel côté elle serait. Si elle a balancé des infos ou quoi. Sur Snake et son armée privée, tout le bordel. Alors ça fout vraiment le merdier, il faut qu'il sache, donc il va la récupérer elle aussi. Bon, ici. Alors c'est là qu'il se trouve, vous voyez. Hop, je n'ai pas affiché la carte. Vous voyez, c'est cadré là. Zone déplacement cible. La cible serait donc par là. Ça c'est quoi? Ok, munitions dans l'étal. On y est déjà allé. Alors, hop, petite jumelle. Normalement, il y en a un à l'intérieur, voilà un ennemi. On va voir donc Chico, celui qu'on doit récupérer. Attention au cactus. Le voilà. On va avancer. Je vais essayer de changer la musique quand l'hélico arrive, mais je sais pas si ça le fera, vu que ça fait partie du truc de l'histoire. Alors, il y a pas mal de trucs. Cassette, Walkman. Hop, non, hélicoptère. Je sais pas si ça le mettra au moment où j'amènerai Chico à l'hélico. Oh, ça rime. Quel con. Alors là aussi, il y a un nid. That's the old prison area. The targets are there. Voilà. 11 sur 37. Ça veut dire qu'il y a 11 ennemis. Il y en aura un peu plus après. Keep low. You can check the controls on the pause screen. Bon, je sais pas s'il y en a d'autres ennemis dans le coin. Des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. C'est... Ils mémorisent pas les rondes. Des fois, ils tournent dans le coin, des fois, ils y sont plus. Bon, il y en a un, c'est sûr. Bon, il est dans la prison, ok. Je voudrais endormir celui-ci là-bas. Il tourne le dos, parfait. Allez. Au bout de 4 cartouches, ils sont dehors instantanément. Ça dépend de là où on a tiré sur son corps. Si on tire dans la tête, direct, il va s'endormir de suite. Merde, il y a son pote qui l'a aperçu. Enfin, son pote. Son collègue. Je sais pas si j'arrive à le toucher de là. Ça y est, je l'ai eu. Alors, je vais faire une pratique sportive. Metal Gear Solid 5. J'ai appelé ça le lancer de Marius. Voilà à quoi ça consiste. Allez, 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 allez. Et voilà. Un marine sans moins. On va ouvrir la porte pour balancer le deuxième. Je sais pas s'ils seront considérés comme tués après dans les stats. Regardez comme c'est beau. Oui, attendez, on voit pas de face. Regardez, c'est quand même magnifique. Les fans n'ont pas attendu pour rien et ils vont devoir attendre encore. Malheureusement, on va devoir attendre encore pour la sortie du jeu. Quantum Pain. Allez! Alors ici, je vais le montrer parce que je ne savais pas. On peut monter sur la tour de guet pour se rendre dans l'enceinte de la prison. Mais là aussi, il y a un trou. Le rail y passe d'ailleurs. Et voilà. Alors, donc je vais voir les stats. Non, c'est pas ici. Il y a info de la mission, vous voyez, hop. This is the transmission we intercepted. Voilà, truc de l'histoire. En fait, on est sur l'île cubaine et sur la partie d'État américain. Et cette partie est juste militaire. Alors bon, Walkman c'est pour écouter le truc, un journal, ouais c'est pour voir ce que le gars m'a dit précédemment.
Ok. D'accord, après il y a navigation, on peut se déplacer en même temps de voir la carte. On sent qu'on ne peut pas sortir les armes. Et là je voulais vous voir donc. Alors, hop. Le point de contrôle. Non, pas le point de contrôle. Wow, 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 qu'est-ce que je fais? Record, voilà. Je voulais voir si mes bonhommes balançaient, est-ce que ça comptait comme mort. Assommé 2, ok. Interrogatoire 2, ok. Total des morts, 0. Ah, ouais, ils sont pas considérés comme morts. Donc on les balance, donc ils sont pas considérés comme morts. Donc, mais je sais pas si ça sert vraiment à grand chose dans celui-là de pas tuer les types. Bon, je vais chez Chico. 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 Chico, it's me. No! No! Go away! Hey, go away! Come on, man! Let me out of here, please! Get off please. Me! Get off! Chico, keep it down! Go away! Take a second! Right over here! Hey! Hey! You gotta let over me out! Here. You let me out, Joe! Can't we stay here! Get off me! Hey. Get off! Chico, calm down. Calm down. Don't fight it. There. I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Not gonna happen. You'll have to carry him out then. Okay, boss, change of plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Paz's whereabouts out of him once he's calmed down. Molly. Mission info. On va chercher Chico jusqu'à l'hélicoptère. On va appeler d'ailleurs. D'ailleurs, on peut le faire aussi avec son smartphone, sa tablette, avec l'application. Bon, calmez-vous là-bas. Il n'y a pas d'ennemis aux alentours. Peut-être là-bas, il y en a. Pas de suite, mais il y en aura. Donc l'hélico. C'est là que ça se passe pour l'appeler. Please select a landing zone. On l'appelle ici. Et voilà, je reviens là. Roger that chopper request. It's headed your way now. Alors ici, faire gaffe, il y a des ennemis dans le coin après. On va longer la falaise. Attention, vous voyez, il y en a deux. You don't end up head first in the ocean. Ah, super. C'est bon. Donc, dans cette vidéo, vous ne verrez pas les bullet time. Bon. The RV is just a little further. L'hélico arrive. This is Morpho, arriving shortly at LZ. Oh, great. She reached the RV. Put the target down for a minute. How's he doing? La musique Chico, commence. Where is Paz? Paz, c'est donc la fille qu'on doit aller récupérer aussi. Et lui pense qu'elle serait morte parce que Skullface lui a dit. Celui qu'on a peut-être vu dans l'intro si je n'ai pas coupé. C'est un méchant, puis voilà. Voilà, l'hélico arrive. Avec la super musique. Ah merde, il commence à attaquer l'hélico. Merde.
Je pose, je me bats. Il y a Ico, mais il va se laisser. Je lui ai récupéré sa cassette. Enfin, il lui a récupéré sa cassette. C'est assez déstabilisant parce qu'en même temps la cassette en même temps de se déplacer. Ça peut tromper un peu. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. Alors, je sais où ça se trouve, c'est dans le plus gros bâtiment de ce camp. Il y a celui-là et il parle avec un autre, le gars. Ça touche la musique. La musique, la cassette. Oh oh, j'ai été repéré. Oh, ils tirent dans le vide. Ils vont peut-être se calmer après. Ils vont peut-être venir aussi. Oh oh, je crois qu'ils m'ont vu. Bon, on va employer la manière forte. Oula. J'ai mis la lumière moi. Ah. Ah ouais, j'ai plus de silencieux en plus, ça m'a fait mieux. Parce que le silencieux suce. Là, ça devient bourrin. Wow, vous allez vous calmer les gars, et puis ça. Ouais, j'ai eu maintenir Y pour remonter l'énergie, il est trop blessé. Oh! Pour se faire plaisir, on va envoyer un coup de lance-roquette à la barbare. Ça risque de faire très mal. Bon, faut que je sois bien placé aussi. Boum! Dans le tas! Je croyais qu'il n'y a plus d'ennemis dans le courrier. Ah, je me suis mangé sur l'alerte là. J'ai pas été gentil du tout. Oh, tu es macabre. Le fou. Alors, je vais vous montrer tous les véhicules. Là, c'est vrai que j'ai pas fait péter mon C4 depuis tout à l'heure. Il va falloir que je le fasse quand même. À un moment ou un autre. Il y a la camionnette normalement, mais elle doit partir. Mais je sais pas si j'ai tué celui qui doit se barrer avec. Alors, je vais faire péter le C4. Je sais pas si on va le voir de là. Ici, il doit plus y avoir beaucoup d'ennemis. C4, feu. Ah, c'est là-bas. Anti-air emplacement confirmed, destroyed. Poste anti-air emplacement. Easier time calling in the chopper to your position now. CP, this is Delta 1. Ah, ben ils partent là-bas, les mecs. Has to be an enemy operative. Il va falloir y avoir beaucoup d'ennemis dans le coin. Si, il y a celui-là là-bas. Que je ne vois plus d'ailleurs. Et baissez-vous qui allongé. Il y en a un autre là. En fait, faut les détruire pour faire poser l'hélico où on veut. Oui, là où il n'y a pas trop d'ennemis. Il faut aussi se débarrasser des ennemis. Les rendre inoffensifs pour pouvoir avancer aussi. Le camion, je sais pas si on reconnaît.
Si j'écrase pas, je sais pas, je vais voir. Allez, on va essayer. Si je me fais repérer, bon, ben, je vais pas faire grand chose. Après, je vais vous arrêter. Je sais pas s'ils vont me reconnaître. Ah, il m'en fout apparemment. Bon, il est temps de partir alors. Foncez. Ah ouais, c'est pas rapide ce genre de véhicule. Ils vont me l'exploser à cette vitesse. C'est peut-être une mauvaise idée. Tiens, il y a quelqu'un sur la route. Bien sûr, on peut dire la route. Oh, j'ai raté, merde. Je vais tourner là. Hop là. Ah oui, on peut faire un truc avec le camion. Il y a des prisonniers ici. On va aller chercher les prisonniers. Mais je pourrais pas venir. Oh oh. Aïe. Mais tu me veux quoi toi? En plus il est pas marqué. Non, pas lui. Ah mais il est derrière le mur en plus. Oh ça. Wow, le camion va me péter à la gueule si je reste là. Tiens, à l'intérieur. Je vais le choper. Tiens. Un coup de CQ aussi. Combat corps à corps. Aïe. Mais bordel là, je le vois pas le gars là, je le vois dans la tête. Allez, on met l'énergie. Allez. Oh, oh, faut que je me casse de là. Et vite. Oh non, je me suis fait tuer. On retourne au point de contrôle. J'ai fait le con. Je me suis fait repérer un peu vite tout à l'heure par les mecs qui étaient dans leur petit checkpoint à deux en train de discuter. C'est là que j'ai merdé le plus en fait. Now let's find Boss. Et alors je suis. If she's dead, we need to see the body to be sure. Boss, any clue where she might be? Bon. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Find some cover and stick to it. Vous en avez eu assez quand même, hein? Non? Comment ça? Non? Alors? Bon. Pour vous dire que ce Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, c'est un prologue, donc. Voilà. Donc, Wally, on va se quitter en espérant que ma vidéo vous aura fait plaisir. N'oublie pas que MGS 5 Ground Zeroes est donc un prologue, encore une fois. Et que si c'était une démo, il n'y aurait ni de trophée ou succès à débloquer. Ni une certaine replay value, hein, ou non plus des cinématiques d'une certaine durée quand même. En plus, je résumerai que le jeu est un régal pour les yeux et agréable contrôle pour un Metal Gear Solid, et le scénario donne envie de voir vraiment la suite qui malheureusement ne va pas sortir de sitôt encore. Donc je vais encore profiter de ce Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes et de ce Fox Engine qui est d'une beauté. Et je vous dis bye, à la prochaine.